présente, je suis Alphonse, docteur en sociologie. Je vais vous guider dans ce film sur Harlequin, un gemme de Lyon. J'aime Harlequin ! Accueil ! Rencontre ! Loisir ! Échange ! Quand l'isolement nuit ! Le GEM n'est pas un lieu de soins, mais un lieu qui soigne. On va vous expliquer le GEM Harlequin en quelques mots. Le GEM Harlequin est une association loi 1901 qui a pour objectif de lutter contre l'isolement. C'est un espace citoyen où les adhérents construisent ensemble un GEM à leur image. Ce lieu permet de retrouver du lien social à travers de nombreuses activités et des repas conviviaux. Tout ceci pour favoriser l'autonomie des personnes dans le respect de tous. Et maintenant, quelques témoignages de personnes du GEM Harlequin, du vrai, du vécu, que du bonheur. Donc bonjour, Stéphane, président du GEM Harlequin. Donc ce qui est important, c'est que le GEM, donc le groupe d'entraide mutuelle, c'est lutter contre l'isolement. Le principe même du GEM. Donc surtout, ce qui est important, voilà, on lutte contre l'isolement ici, au GEM. Donc on est tous bienveillants les uns envers les autres. On prend soin de nous. Et ce qui est important, voilà, ici on a l'opportunité de travailler tous en équipe, que ce soit nous les adhérents, le parrain et Tony le coordinateur, ce qui permet de lutter contre la stigmatisation et de montrer qu'on peut dépasser et faire tomber les tabous. Et d'ailleurs, pour rebondir, le travail en équipe, c'est aussi important parce que depuis maintenant bientôt 3 ans, on a intégré le CLSM, le Conseil local de santé mentale de Lyon 8e. Et justement, là-bas, on prend vraiment notre place de citoyen, ce qui respecte d'ailleurs bien le cahier des charges, des GEM, le nouveau cahier des charges qui est paru. Et par rapport à ce cahier des charges, on a pu voir tout ce qu'on faisait au GEM. C'était bien inclus dans le cahier des charges. Et donc, j'ai fait une petite parenthèse. Et donc, du coup, par rapport au CLSM, ce qui est bien, c'est que là-bas, il y a les 3 acteurs de la santé qui sont réunis, à savoir nous, les adhérents de GEM. On a eu un parcours un peu compliqué par la vie. Le domaine médical, souvent c'est le CMP ou psychologue, médecin, etc. Et les travailleurs sociaux, donc c'est adhérents, le domaine médical et le domaine social, mais tous réunis ensemble. Et on est là, on se respecte les uns des autres, on apporte notre pierre pour faire avancer les choses. Bonjour, moi c'est Michel. Et ben moi j'ai connu le GEM Harlequin grâce à mon mari Moural, qui en a parlé à un de ses collègues du GEM. Ça m'a beaucoup apporté, ça m'a apporté de la confiance. Ça m'a apporté aussi à croire en l'être humain, qu'il y a encore des gens bons sur Terre et que malgré la maladie, on peut arriver à mener une vie normale. Voilà. Donc, si vous voulez rencontrer des personnes honnêtes et gentilles, venez au GEM Harlequin. Avec l'arrivée des beaux jours, nous organiserons des barbecues ainsi que des repas festifs et des soirées d'été basées sur l'humour et la convivialité. Donc venez nombreux et nous espérons vous accueillir dans nos locaux. À bientôt, au revoir. Bonjour, alors je m'appelle Marlène, je suis étudiante en anthropologie et donc je suis venue au GEM Harlequin dans le cadre d'un stage. Je suis venue ici depuis le mois d'octobre, voilà, à raison d'une fois par semaine. J'ai par ailleurs un diplôme d'infirmière et donc une expérience d'infirmière en psychiatrie. Du coup, il était très intéressant pour moi de découvrir GEM Harlequin parce que j'ai enfin pu avoir la satisfaction d'avoir un autre rapport, ce qu'on pourrait appeler un rapport humain, enfin un vrai rapport humain avec les usagers et non des patients. J'ai pu confirmer plutôt que oui, chacun a sa place de citoyen. Chacun sa liberté. Et je pense que tous les professionnels de soins, du social, devraient venir faire un petit tour ici pour apprendre de ces personnes-là plutôt que des professionnels parce que c'est, je pense, une très belle école de la vie.
Voilà, et bonne continuation au GEM. Je pars aujourd'hui et je leur fais un gros bisou à tous. Je m'appelle Misaou, je suis GEM Arlequin depuis 3 ans. Je bois le café, je m'amuse avec les gens, j'y viens quand je veux, tout ça. On fait des soirées le mardi, le repas. On fait des anniversaires, on fait un peu de tout. C'est grâce au GEM Arlequin que je suis là, que je bouge. Et voilà. Je m'appelle Monique Camalon. Je viens au GEM Arlequin. Ça me permet de briser l'isolement, de me retrouver avec d'autres personnes qui ont la même situation que moi et de s'occuper d'être acteur, d'avancer et de retrouver une certaine autonomie. On va vous présenter les activités du GEM, jardin, art plastique, théâtre, création de bijoux, créer pour se recréer. Au GEM Arlequin, on fait le jardin, le jardinage. Le jardin, c'est un loisir. Comme ça, on mange nos légumes à nous. Vivement l'époque de la plantation. Le jardin, c'est super bien. Quel métier merveilleux! Proposer du vent, ça vous fait le cerveau léger! Léger! C'est pour rien! Réquisition! La loi pas respectée! Un temps pour tous! Réquisition! Réquisition! Nuit debout! Ça fait combien de mètres carrés? 12 mètres carrés? 12 mètres carrés? Pour le champagne! C'est Dominique, je suis animatrice bénévole et je fais partie des adhérents de Arlequin. Et depuis 2 mois, j'anime un petit atelier bijoux fantaisie avec des perles et aussi de la pâte à modeler qu'on met dans des moules et qu'on transforme en pendentif. Voilà, c'est la fin de ce film sur le GEM Arlequin. Super moment de passé, très cool.